Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la suite, enfin, de Neverwinter Nights 2. Alors pour vous, ça fera peut-être qu'une semaine ou deux, sûrement 2 semaines, pour moi ça fait un mois et demi. Étant donné que, si vous suivez un petit peu l'activité de la chaîne, en fait j'ai déménagé. Ce qui implique que normalement, à partir de cet épisode et jusqu'à la fin du jeu, je devrais avoir un peu plus de temps pour faire le jeu, et aussi les épisodes devraient sortir normalement, je l'espère, un peu plus long, un peu plus fréquemment que prévu, c'est-à-dire le mercredi si tout va bien, et peut-être le samedi aussi. Je vais voir, mais normalement ça devrait se faire. La dernière fois, nous avons fait le repère des Briscrans, pardon, afin de vérifier si l'émissaire d'eau profonde avait été là-bas. Il s'avère que l'émissaire que nous avons retrouvé était un faux, était en fait une personne qui nous voulait du mal. Et après avoir tourné en rond, fait des stratégies plus ou moins fonctionnelles, je pensais qu'il fallait tout simplement retourner à Padivert, notamment au poste de garde. Il s'avère que non. Du coup, nous allons continuer à rechercher l'émissaire et nous allons surtout combattre le chef orc des Briscrans, l'Ogrim Arachoeil, sachant aussi que j'ai quelques petites quêtes concernant mes compagnons, notamment Nisha, alors ça c'est la quête principale, mais notamment Nishka plutôt. Avec son pote l'Elden qui sont en froid, et aussi la quête, une des quêtes, des 3 quêtes de Khelgar concernant la demeure clanique, c'est-à-dire une petite zone où que je vais devoir explorer. Mais ça, je pense qu'on les fera un petit peu plus tard, parce que ce sont des zones où je n'étais pas assez fort lorsque je les ai, lorsqu'on m'a confié la mission, sachant que je suis niveau 8. À peu près partout. Oui. Ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, moi je vais aller vendre du merdier parce que j'en ai récupéré du merdier que je l'ai pas fait. Et après, ben, on continue le jeu. Et voilà, à peine arrivé, déjà on fait des ellipses, c'est super. Mais de toute façon, vous ne le verrez pas parce que je fais ça maintenant. À tout de suite. Bien, alors après avoir passé facile 10 minutes et aussi avoir changé l'équipement de Khelgar, vu que c'est quand même un tank, je lui ai mis un pavois plus 1 et un marteau léger plus 1 de tonnerre, ce qui est quand même un peu plus adapté pour son rôle. Et maintenant, eh ben, direction la suite. En fait, où est cet émissaire d'eau profonde? Parce qu'à la base, on doit aller dans le quartier de Lac Noir qui et a été sujet à un meurtre. Et oui, faut pas l'oublier ça. Alors, nous devons retourner. Pas les ruines du marais. Oh là là, je suis en train de me perdre. Le fond à l'effraie. On va déjà dire ce qui s'est passé. Ah, quelque chose sur ma destination. Qu'est-ce que j'ai rencontré? Des ennemis? Fort probable. Des bandits, des bandidos, comme on dit dans le milieu. Alors ça, je connais Kara, voilà. Kara qui va nous faire tous ses sorts, voilà. Voilà. Donc Kara, la joue sort. Kara, elle va nous taper tous ses meilleurs sorts. Hein. Tous les sorts, Skara. Voilà. Encore. Eh bah tiens. Et ensuite là. Donc Kara, c'est littéralement mon meilleur allié. C'est mon meilleur pote. C'est ma besta. Je peux le faire. Eh bien, on s'est amusé. Pour une fois, on les a pris par surprise. Pas sûr.
Pas bien sûr, mon petit Caligar. Non, non, J'ai bien les orques, incapables de s'arrêter. Ah bah, la garde? Bah merde. Faut aller les aider. C'est nos orques à nous! Mais quel gars, je t'en prie. Hop là. Voilà, et un petit sort ici. Et ensuite, je bourre les explosions. Je bourre les explosions. Ah bah c'est fini. Les montagnes des épées sont un endroit dangereux. Maintenant plus que jamais. Avec les tribus orques réunies sous la bannière de l'Ogrin. Ok, merci. Je suis Kassavir. Mes hommes et moi, nous pourchassons ce groupe d'orques depuis des jours. D'accord. Nous chassons les orques depuis de longs mois. Mais récemment, nous avons intensifié nos attaques. Quand Padivers s'est décidé à reprendre le fond à l'effraie, nous avons redoublé d'efforts. Attaqués sur deux fronts, les orques peinent à se regrouper pour reprendre le fond. Je suis curieux. Pourquoi vous aventurez dans ces montagnes? Vous avez sûrement mesuré le risque que cela implique. Oui, en effet, nous recherchons quelqu'un. Alors nous avons les mêmes objectifs. Son repère est difficile à trouver, et ses alentours très bien défendus. Tuer l'ogram plongerait certainement les orques dans la confusion. Mais je pressens que vous avez une autre raison d'être ici. En fait, j'aurais besoin de quelque chose. Quiconque chercherait à tuer le chef des tribus orques viendrait avec une troupe plus conséquente. C'est pas gentil. Qu'importe, nos objectifs étant les mêmes, vos motivations ne me regardent pas. Ah, voulez-vous vous joindre à moi? Si vous comptez pénétrer dans la forteresse de l'Ogram, elle est au nord. Je peux vous y conduire. Ah bah, ok. Nous avons essuyé des pertes. Mais je rassemble ceux qui restent pour appuyer votre assaut. Non, Catriona. Nous avons déjà subi trop de pertes, et une attaque massive sur l'Ogram serait encore plus coûteuse en vie. J'irai seul. Kassavir, nous vous avons sauvé la mise ici. Je pense que... Je vous en prie, il est vital que vous obéissiez. Emmenez les survivants au campement des Grimantelles. Aidez-les du mieux possible, et maintenez la pression sur les orques. Si nous ne parvenons pas à vaincre l'Ogram, il les attaquera en force. Et les Grimantelles doivent alors en être avertis. Ainsi donc, après tout ce temps à éviter les troupes de Padivert, vous voulez que j'aille tout droit dans leur campement? Écoutez, Kassavir, laissez-moi venir avec vous. Inutile de jouer les vengeurs solitaires. Laissez-nous vous aider. Moi, je veux bien, hein. Un groupe plus restreint voyagera plus vite et plus discrètement. La piste qui mène au repère de l'Ogram est étroite. Une armée ne servirait à rien. On est quatre, J'ai là. J'ai vu cette piste. Si vous y allez, vous ferez une cible facile. Allez savoir quelles forces sont massées là-bas. Vous allez vous faire tuer. Catriona, vous avez vos ordres. Nous nous reverrons au campement des Grimantelles après nous être débarrassés de l'Ogram. Très bien. Bonne chance à vous. Faudrait que je baisse un tout petit peu la musique. Je peux vous guider jusqu'à la piste menant à son repère. Mais pour cela, il faudra que je me joigne à vous. Si vous avez de la place dans la... Oh mais merde, et eh ben écoute, c'est le barde qui va dégager. Kassavir, regarde Kassavir, qu'es-tu? Alors, Kassavir, tu es quoi? J'ai encore deux places. Eh ben écoute, c'est quoi ça, le gros barde? C'est le barde, oui, c'est le barde. Eh ben écoute, quel gars, il reste avec moi. Kara, elle reste avec moi. Et puis, voilou. C'est un ensorceleur? Ah bah écoute, non, je garde Kira parce que c'est la best alliée ever. Hop là, par contre, Kelgar, tu es... Ouais. Oui. Alors, Kelgar, Kassavir, qu'es-tu? Dis-nous tout, tu as un écu. C'est très bien. Cependant, j'ai un écu plus 1 pour toi. C'est mon cadeau de bienvenue, regarde, hop là. Marteau de guerre plus 1 de justice. Oh, monsieur... j'ai peut-être un truc pour toi. Voyons, voyons mes équipements. Une chemise de maille qui devrait te convenir un tout petit peu mieux que cette armure. Non. Non, en fait, non. Bien. Alors, par contre, on va se reposer et j'ai raté un drop là-bas. Donc, du coup, je vais... Bah, tu vas y aller, écoute. Hein. Tu vas récupérer mon drop. Voilà. Écoute, c'est cadeau. C'est ta mission. Petite aventurine, parfait. Aura persistante. Suivez-moi.
Ok. Je suppose que niveau XP, Oui. ouais, on est à peu près pareil. Suivez-moi. Bien, et bah écoutez, non, pas le bon chemin, là-bas. Et bah allons-y, nous avons un nouveau compagnon avec nous, du coup, pour cette petite aventure. Des pièces, parfait. Des restes, parfait. Oh, une petite potion de soins légers. Ah oui, hein. Ah ça, j'en ai terriblement besoin des potions. Le jeu est dur. Qu'est-ce qu'ils font les deux branques là? Les deux branques, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, avant tout, j'aimerais retourner au fond à l'effraie. Alors, le clan des Briskren, les éclaireurs, le clan Arracheuil, c'est là où je dois aller. Très bien. Je vais d'abord me rendre au fond à l'effraie. Étant donné qu'il y a du monde là-bas. Faut que j'aille voir si, petit 1, j'ai un marchand qui peut au moins m'aider. Et je pense qu'un marchand devrait m'aider. Et en plus, je vais rendre des comptes. Les deux là, je sais pas ce qu'ils font, mais ils m'énervent. Vous pouvez bouger vos. Vous pouvez vous bouger, les gars? S'il vous plaît. Tant que vous n'aurez pas retrouvé l'émissaire, je n'ai pas le temps de vous parler. Ok. Continuez à chercher. Ok, très bien. Bon bah toi je te parle plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner de l'équipe? Les gars, vous m'énervez. Je sens que cette session va être très longue si vous bougez pas. Vous êtes au courant que ça va être très long, hein? Ils sont au courant. Je pense qu'ils sont au courant. Je pense qu'ils ont pas envie. Ils me font la tête. Du coup, eh ben, rendons-nous au clan Arracheuil ou Aracueil, au choix, comme vous voulez. Alors, observons cette carte de plus près. Je suis là. Il y a un chemin derrière, ici, et avec un petit renfoncement de ce côté. Et ici, il y a tout ce chemin. Je vois un campement et sûrement la suite par là. Très bien. Très très bien. Du coup, si je... Non, en fait, derrière, il n'y a rien. C'est juste devant moi. Ok? Ok. Très très bien. Eh ben, s'il part. Par contre, ouais, ça va être, les gars, ça va être extrêmement chiant si vous faites, si vous me faites la tête comme ça va être chiant. Je vais redémarrer parce que je sais pas ce qui se passe. Hein. Non, ils veulent vraiment pas bouger. Ils veulent vraiment, genre vraiment, pas bouger. Bon bah écoute, je sais pas ce qui se passe. Je sens que ça va très vite m'énerver cette histoire. J'ai juste bougé deux trois trucs. Ça fait rien. Ok, bon bah je vais m'amuser moi. Je vais m'amuser, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je vais plus chercher à attaquer. Tu veux pas l'attaquer, toi? Khelgar, tu me le dis, hein, Khelgar, si tu veux vraiment pas te battre. C'est des petites araignées, en fait, ça. Bon, je m'excuse pour le public arachnophobe. J'y peux rien. Bah, c'est Galir qui va y aller en premier, hein, parce que là... J'ai Son Père qui veut se battre là. Je les ferai rôtir
Qu'est-ce que merde, tu sais que tu m'énerves, hein. Elle se va se faire empoisonner. Voilà, merci Kara. Peu compliqué cette utilisation de sort, non? Je sais où je suis, par contre, faut que je mette une la carte à peu près comme ça. Bon, alors, pas d'araignée, ok. Très bien. Kelgar va reprendre le contrôle, mais d'abord, restauration de la magie, très important. Kelgar, c'est quoi ça? Jet de sauvegarde, ouais. Nous allons aller là-bas. Ouais. Putain, les mecs là, comment ça se fait? Je sais pas ce qui se passe, mais ça ne veut absolument pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce qui se passe. Toi tu n'attaques pas, ok. Oh c'est bien ça, j'ai des gens qui n'attaquent pas. Bon, c'est des orques normales. Ce sont des orques un peu nuls. Donc si tous les ennemis à ce moment-là sont aussi simples, ça me convient parfaitement. Enfin, vraiment. Hein. Putain, mais les gars, vraiment, hein, vous voulez vraiment pas vous battre? De nouvelles cibles. Enfin, un peu d'action. Hop. La magie. Brandy, tu... Oh là là. Vous voulez vraiment, vraiment, vraiment pas vous battre. Allez. Si sort, s'il te plaît, Kara. Kara, mais... Non, mais les gars, là, vous voulez vraiment pas vous battre, en fait. Donc là, le jeu a décidé que personne n'allait se battre. Pourquoi personne ne veut se battre? J'ai deux morts, mais tout va bien, écoute. Hein. C'est un combat qui va être très compliqué, vu que c'est une phase. Exactement. Je sens que je vais m'amuser. Allez, vas-y. Heureusement que je lui ai mis un bon marteau, là. Ouais, arrêtez de gendre. Vous me faites pitié, là. Vous faites pitié, les gars. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais... C'est énervant. C'est vraiment énervant, ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi personne ne me suit. Aucune saleté d'idée. Je vais relancer le jeu, encore une fois, et puis je verrai bien. Bien, alors, je pense que la zone actuelle empêche les gens de réagir correctement. Ça va être très, 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 très problématique, vous en conviendrez. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Et moi, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit coffre, ok. Oui. J'ouvre la route. Ouais, ouvre tout. Et toi aussi, ouvre tout. Suivez-moi. Crochetage réussi, impec. Oh, un Kama. Qu'est-ce que j'ai acquis, moi? Un Kama. Examiner. Oh non. Je ne sais pas ce que c'est et ça pèse pas du tout lourd. Un sort de silence. Oui, druide, prêtre, paladin. Ah bah écoute, hein. Tiens. Top, voilà un sort. Débrouille-toi avec. Ok. À mon avis, c'est peut-être. Ou oh, alors, c'est peut-être ce personnage-là qui fait que tout plante. Oui. Moi, j'essaye de trouver une solution, une idée. Qu'est-ce qu'on a là? On a une, deux, trois, ok. Ouais. Quelle guerre t'y vas?
Kegar, il prend l'aggro. Toi, tu prends l'aggro. Toi, tu prends l'aggro. Kara, hop. Un sort, et tu prends tout le monde. J'ai dit que tu prenais tout le monde, toi. 6. Allez, un sort. Voilà, un autre. Voilà, tu te mets là et tu prends ton sort. Voilà. C'est bien, Kara. C'est bien, Kara. Toi, si tu peux attaquer, ce serait cool. Merci bien. Cette zone va être compliquée. J'espère qu'il n'y a pas le boss dans cet endroit. Parce que sinon, ça va être sympathique. Force des crues empoisonnée, force des crues empoisonnée. Oui. Ouais, déplacement réduit. Mon chargement grève mes mouvements. Oui. Comment ça, t'es un peu... Comment ça, t'es trop chargé, tu te fous de moi? C'est bon? Bah non, il est pas chargé. Il était pas chargé du tout, en fait, frère. On continue là-bas, alors que les gens savent pas quoi faire. Bah, je sais pas, avance. J'ai l'impression de jouer à un jeu au tour par tour. C'est pas agréable. Alors, le plan. Le plan. Le plan. Hop là, le plan, c'est ça. Le plan, c'est ça. Et le plan, c'est ça. Grosse araignée là. Aïe aïe aïe, attention. Donc vraiment, ils vont rien faire. Ils vont rien faire tant que je leur en donne l'ordre. Oh là là, ça va être compliqué cette histoire. Et je vois rien par contre. Je suppose que je peux pas parce qu'il y a des ennemis, oui. Alors, moi je vais vous dire ce qu'on va faire. Ok, alors moi j'ai un plan. J'ai un plan concernant ceci. Vous allez voir, ça va être très très simple. J'ai encore 4 sorts de zone, donc voilà ce qui va se passer. On va tous se mettre là-bas. Comme des grands. Voilà, comme ça, comme ça et comme ça. Kara, avec ses peu de points de vie, elle va faire son petit sort là-dessus. Et attention. Ça n'a rien fait. Ok. On va recommencer. Moi, je veux... Voilà, encore un, sur les barricades, ah bah c'est bon. Et bah maintenant, sur les orques. Voilà, et maintenant, vous tous là, vous, putain mais, vous tous là, à l'attaque, oui. Toi t'attaques, toi t'attaques, toi t'attaques. Et Kara, bah, elle va revivre quand elle peut. C'est compliqué, Ah, il y en a 4. Ah bah, écoute, hein. Voilà. Ça va, il se débrouille bien. Quel gars c'est le plus fort, de toute façon, voilà. Toi, tu vas prendre lui. Toi, tu prends lui. Tu vas prendre lui maintenant. Et tu vas prendre lui maintenant. Allez. Et bah voilà, rien de complexe, hein. Rien de complexe, mais... Ouais, alors... Revis, merci. Et... Hop là, repos pour ravoir les sorts. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme drop? Une arbalète lourde. Très bien. Une pièce d'or. D'arbalète légère. Et... Des carreaux d'arbalète. Oui, bon, bah, je les prends. C'est bon. Ok, et bah voilà, ça c'est ce que j'aime. Il y a encore des barricades, ok. Ok.
Ok, encore des barricades. Bon bah pareil. La même stratégie. Et maintenant, voilà. Hop là. Mais il est con lui. Et maintenant, là. Mais allez. Mais putain, mais oh là là, les gars, vous n'attaquez pas. J'ai envie de vous faire du mal. Mais quel gare, s'il te plaît, quel gare. Hein. Ça va être très compliqué. C'est très très compliqué pour moi là, de rester calme, de rester frais. Allez, quel gare. Toi c'est quand tu veux pour attaquer. Voilà, quel gare, tu prends lui. Voilà, on va y arriver. Quand même, s'il vous plaît. C'est compliqué, ça. J'espère que c'est juste cette zone. J'espère réellement que ce n'est que cette zone. Il y a encore des ennemis là-bas. Bah, vous revenez, en fait. Allez, sur les restes. Ouais. Vous revenez. Vous êtes nul. Nul et nul. Ah, attends, il y a un petit drop, là. Une arbalète lourde, eh bah, tiens. Et allez, on va... J'aimerais me reposer, s'il vous plaît. Merci. On se remet tous là-bas. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Tout va mal. Écoute, Kara, je vais pas te le répéter à chaque fois, mais essayez de jouer correctement. Des flèches, de l'eau bénite. Oh bah... 2 des 4 morts vivants. Toujours utile. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Évidemment des araignées. Donc, des os, mes chers amis arachnophobes. Calgaire, pas le choix, t'y vas. Je veux rien savoir. T'y vas avec Jean-Mi. Kara, là-bas. Et Brandy, là-bas. Ah oui, donc, d'accord. Et, hop là. Toi, tu vas attaquer. Merci. Voilà, attaque-le. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Vas-y, c'est bien. Bon, je suis empoisonné, c'est pas grave. Kelgar, tu me le dis, hein, si tu t'ennuies. Kelgar. Merci. Combien d'XP, là? Ah, ça va être très très long, cette histoire. Et a priori, j'arrive bientôt à la fin de la zone. Donc c'est une bonne nouvelle, je pense. Faut juste que le poison, voilà, sorte. Oui. Et normalement, c'est une belle bait. Hein. C'est très clairement une grosse bait qui m'attend. Ah oui, avec deux orques. Ok. Eh ben... Ça va être fun, tout ça. Bon, bah, alors. Voilà le plan. Hop. Vous prenez l'agro. Tu prends l'agro. Et je vais décéder. Je vais vite continuer tous les sorts. Au moins sur la grosse. J'ai annulé mon sort, je suis teubé.
Allez. Encore un petit. Voilà, parfait. Normalement, ça va être un peu plus simple. Toi, tu vas t'occuper des orques. Toi, orque numéro 1. Toi, orque numéro 1. Toi, orque numéro 2. Je suis empoisonné, c'est pas grave. Voilà. Impeccable. Et ben, un plan sans aucun accro. Zéro accro, zéro problème. Bien, bon, j'espère que normalement, après ce petit problème, ça devrait aller beaucoup mieux. Arbalète légère, eh bah tiens, prends. Prends ça, quelqu'un. J'espère que ça va aller mieux maintenant. J'espère que quand je rentre dans cette grotte, tout le monde ira mieux. Parce que je n'aime pas jouer dans des conditions aussi compliquées. Vraiment. Personne. D'ailleurs. Oui. Randy, tu reprends le lead et on y va.